merci de votre présence. Merci beaucoup. On a entendu les questionnements et les interrogations d'une jeunesse très bien représentée auprès, à l'instant, du vice-président de la Commission européenne. La transition écologique, jusqu'où ? Pascal Canfin, vous êtes député européen. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes, je prends mes fiches, président de la Commission de l'Environnement, de la Santé publique, de la Sécurité alimentaire au Parlement européen, membre du groupe Renew. Et par ailleurs, parmi vos anciennes fonctions, vous avez été directeur général du VVF France et ministre délégué chargé du développement au ministère des Affaires étrangères. À côté de moi, Léa Falco, vous êtes étudiante diplômée de Sciences Po Paris et de la Sorbonne en droit et en histoire. Vous êtes en fin de césure en Master 2 de développement international avec une spécialité. C'est pas ça du tout ? C'était il y a un an et demi. Vous voyez, on ne m'a pas donné... Mais alors, pour le coup, est-ce que vous avez vraiment effectué un stage au VVF France ? Vous auriez presque pu croiser... Vous vous êtes croisés, donc ? Non ? Geneviève Pons, vous êtes vice-présidente et directrice générale Europe de l'Institut Jacques Delors. D'Europe Jacques Delors, pardon. C'est moi qui ai... J'ai pas mis mes lunettes, vous voyez. Et vous êtes en charge de l'environnement et du climat. Vous étiez en charge de l'environnement et du climat dans le cabinet de Jacques Delors durant son mandat de président de la Commission européenne. Et vous avez été directrice du bureau européen du VVF en 2015. Tout le monde est passé par le VVF, en fait. Alors, Antoine Cazel, je crois que vous, ce n'est pas le cas. Vous y arrivez ? Bon, écoutez, parfait. Directeur de cabinet du commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt. Vous avez été auparavant auprès du président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Avant de rejoindre la Commission européenne, vous avez été auprès de l'Union européenne et donc le VVF bientôt. C'est bien ça ? On a entendu le vice-président de la Commission dire... à un moment, ces termes exacts, c'est on n'a pas le luxe d'une pause sur cette dimension de transition. Léa Falco, la transition écologique, jusqu'où ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'on est à la masse ? Est-ce que c'est déjà trop tard ? C'est bien. On va commencer directement, puisque du coup, on est un peu en retard. Je ne sais pas si mon micro fonctionne, vous m'entendez ? On vous entend. Super. Est-ce qu'on est en retard ? Oui, mais on le sait, donc ça va. À partir du moment où on est au courant, ça veut dire qu'on peut maximiser les efforts. C'est toujours un peu la même question. C'est le meilleur moment pour agir, c'était il y a 40 ou 50 ans. Le deuxième meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Il y a une fenêtre d'opportunité, on le sait, on a toutes les ressources scientifiques pour le savoir, sur le climat en particulier, sur les autres enjeux planétaires dont l'Union européenne se saisit aussi. Par ailleurs, il y a un texte sur les sols qui va a priori bientôt paraître et sur lequel je pense qu'il faut être particulièrement attentif parce que c'est des enjeux qui sont sous le radar en général. Et je suis arrivée un petit peu à la fin du discours de M. Timmermans, mais il en parlait, qui sont pourtant fondamentaux. Et tout le principe du systémisme environnemental, c'est que si on s'intéresse au climat sans s'intéresser aux autres limites environnementale, à un moment ou un autre, ça ne fonctionnera pas et on sera rattrapé par ce qu'on a laissé de côté. Donc, je ne sais pas à quel point j'élabore, mais ce n'est pas moi qui suis intéressante dans le panel. Donc globalement, on n'a pas le temps d'une pause. J'imagine que Pascal Canfin, je me tourne vers vous. On voit à quel point il y a une capacité d'entraînement aussi de la part de l'Union européenne, qui est une puissance, qui est un continent, qui est en capacité d'imprimer un petit peu à minima un rythme, à tout le moins. Enfin, on a beaucoup parlé tout à l'heure, on a entendu parler de la Chine, des États-Unis, etc. Mais on voit bien qu'en l'état, on ne va pas assez vite. Pendant ce temps-là, on entend cette petite musique qu'il faudrait une pause. Suivez mon regard. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je suis surpris par votre question. C'est vrai qu'on pouvait, on pouvait s'y attendre. Je n'avais pas anticipé. Donc, d'abord, bonjour tout le monde. Je le dis publiquement, je l'ai dit au président de la République, je trouve que cette expression est malheureuse. J'ai même dit des mots plus durs en privé. Parce que, d'une part, évidemment, on n'y est pas encore. On ne va pas refaire un dessin, je pense qu'on est tous convaincus dans la salle, ce n'est pas la peine d'argumenter là-dessus. Et d'autre part, la surinterprétation de cette formule, quand on la regarde plus en détail, c'est on fait tout ce qu'on a sur la table
Et ensuite, on regarde ce qu'il faut encore faire, mais il y a le mot malheureux, je n'y reviens pas, mais il n'est pas non plus ce qu'on lui fait dire. Est-ce qu'on lui fait dire, est-ce que a dit quelques jours plus tard le Premier ministre belge, est-ce que, etc., etc., c'est qu'en fait, la pause, c'est maintenant. Et le premier texte sur lequel il y a un risque de pause, sérieux, et j'ai écouté Franz en parler tout à l'heure, c'est le texte sur la restauration de la nature, pour la raison qu'il évoquait et que je partage totalement, à savoir que agir frontalement contre le climat, c'est quand même compliqué. Alors, ça ne gêne pas certains, mais c'est quand même compliqué pour un politique mainstream. Agir frontalement contre la nature, ce n'est pas un problème. Et ça, c'est une question qui doit tous nous interroger, nous, partisans du lien systémique qu'on évoque tous. Enfin, on est évidemment totalement convaincus qu'on ne peut pas séparer les deux, que la nature est notre meilleur allié pour lutter contre le dérèglement climatique, pour lutter contre pour la résilience climatique, etc. Néanmoins, je constate que dans le champ politique, c'est quand même difficile de massacrer le climat, c'est pas difficile de massacrer la nature. Ouais. Et donc, on a là, aujourd'hui, un sujet, on vote, nous, le 15 juin, et le 15 juin, j'ai besoin de vous d'ici le 15 juin, je suis très clair. Si on passe ce texte, on défait tous ceux qui veulent mettre en pause le Green Deal. Parce qu'on montre qu'on est encore plus fort et qu'on gagne. Si on perd, la bataille culturelle, c'est eux qui l'auront gagnée. Et donc, on est à un moment de bascule. Et je ne veux pas dramatiser pour le plaisir de dramatiser, mais jusqu'à présent, et Geneviève suit ça de très près avec notre Europe, c'est Jacques Delors, je ne sais plus comment il faut l'appeler, dans quel sens, on est parti, le Green Deal est parti avec une base politique large, vraiment large. Et notamment issue des élections européennes et notamment issue de la mobilisation des jeunes. Ça, je dis vous, ben, vous avez cranté quelque chose dans l'imaginaire et dans les représentations politiques à ce moment-là, qui fait que ne pas soutenir le Green Deal, ne pas soutenir le Fit for 55, l'objectif de réduction de moins 55%, la neutralité climat, etc., etc., était politiquement impossible pour une grande partie de l'électorat. Je ne veux pas politiser à l'extrême cette discussion, il y a toujours eu des opposants, on sait où ils sont, mais ils étaient très minoritaires. Et moi, après moi, en fait, il y a ce qu'on appelle dans le mouvement féministe le backlash, et il est en train d'arriver sur l'économie, sur l'écologie. Et la synthèse politique droite-extrême droite, parce qu'il faut dire les choses dans la vraie vie d'un responsable politique, c'est anti-immigré, anti-woke, anti-écolo. Et cette synthèse-là, c'est Mélanie en Italie. Et c'est exactement ce qui nous pend au nez, c'est le Trumpisme européen. D'accord ? Anti-immigré, anti-woke, anti-écolo, vous prenez des bancs en Floride aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est l'exportation ou l'importation de ça. Et cette synthèse-là, qui est la synthèse anti-Green Deal, et au-delà d'autres valeurs, mais on parle d'écologie là maintenant, mais qui est vraiment la synthèse politique, qui est notre adversaire politique, n'existait pas il y a 3 ans, elle était fragile il y a 2 ans, elle est de plus en plus forte. Et il faut le poser ce problème, parce que c'est pas en éludant le problème qu'on a une chance d'y résoudre. Et donc il faut faire Pâques. Mais justement, faut faire Pâques pour gagner. Et l'échéance, le rapprochement des courbes là, c'est maintenant. Mais alors justement, quand vous dites, Pascal, qu'enfin il faut poser, ça veut dire que là on est finalement dans une bataille législative, mais on est aussi dans une bataille culturelle. Culturelle, bien sûr. Ce qui implique en fait de poser le débat en ces termes. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on en a fait assez? C'est pas la petite musique qu'on entend. Et donc. Là, si vous voulez, pour la partie de l'opinion publique dont je viens de parler, qui est sensible à la synthèse, qui, à mon avis, est extrêmement minoritaire dans cette salle, mais sortie de cette salle, représente quelque chose en Europe et en France, pour cette partie-là, on est à la limite d'en faire trop. Et toute la conduite politique, qui est ma responsabilité en tant que président de la commission environnement du Parlement, c'est-à-dire ne pas me faire plaisir, moi, perso, je ne suis justement pas dans le rôle d'une ONG de campagne, je l'ai été, je sais ce que c'est, mais c'est de trouver les majorités, parce que ça s'appelle la démocratie, hein, et c'est bien de trouver des majorités, c'est l'alternative est quand même moins sexy. Ce rôle-là doit tenir compte du fait qu'une partie de la société trouve à juste titre qu'on n'en fait pas encore assez, et je pense qu'elle est totalement majoritaire, voire unanime dans cette salle, et je suis d'accord avec ça, et une autre partie de la société qui commence à trouver qu'on en fait trop.
Et les symboles de ça, il y en a deux, on pourrait creuser pour en trouver d'autres, mais il y en a deux principaux, c'est les bagnoles, donc les ZFE, la règle sur les voitures 100% zéro émission, et c'est l'agriculture. Pourquoi ? Les bagnoles, parce que c'est la bagnole, parce que c'est la ZFE, et profondément, profondément, structurellement, antisocial. Ouais, la zone à faible émission. La zone à faible émission, pardon. Et je veux dire, on est à Paris, on sait ce que ça veut dire, je suis responsable politique, je donne des exemples. Vous avez aujourd'hui autant d'opposants LFI à la ZFE que d'opposants d'extrême droite. Parce que ça posera la question de la transition juste, mais on y viendra. Exactement. Et donc ça, si vous voulez, si on ne le traite pas bien, on accumule les ressentiments. Et puis ensuite, on a la voiture zéro émission, c'est trop cher, etc. D'où la question fondamentale, de la transition juste, et je pourrais y revenir, et donc de la contribution équitable des efforts, et donc la question de la taxation des plus riches, et donc la question des jets. Je parle de là où je suis dans la majorité présidentielle. C'est un débat qui n'est pas gagné d'avance, ça ne m'a pas échappé, mais je suis clair sur mes convictions là-dessus. Deuxième élément, c'est l'agriculture. C'est qu'on a réussi, et je conclue là-dessus, on a réussi, et c'est d'ailleurs la partie du Green Deal qui tient, qui est solide, qui est complètement ancrée, on a réussi sur l'industrie et sur l'énergie. C'est-à-dire aujourd'hui, on continue à prendre des textes d'accélération de la transition dans l'industrie, pour l'industrie verte, avec un soutien politique très large, y compris des industriels eux-mêmes, parce qu'on est engagé dans une concurrence très claire avec les Américains et les Chinois, et soit on la gagne, soit on la perd. Et on n'a pas réussi à faire ça sur l'agriculture. On n'a pas réussi. Et je pense que c'est vraiment le combat de demain, de réussir à dépolariser ce sujet. J'aimerais bien, justement, Geneviève Ponce, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc finalement, il y aurait une partie des enjeux sur lesquels, des défis sur lesquels on a réussi à entendre Pascal Canfin. Il y en a d'autres sur lesquels il va falloir lutter contre des lobbies, contre ce... Voilà, clairement, on parlait de la bagnole, mais aussi dans cette bataille culturelle, lutter contre ce backlash. Vous, quel est votre diagnostic ? Bon, je crois que beaucoup de choses sur ce qui se passe ont été dites. Entre autres choses, c'est vrai que ça coûte cher, la transition, elle coûte cher. Elle coûte moins cher que de ne rien faire, mais ça, on n'a pas encore fait le grand coup du rapport sur le coût de la non-Europe. On ne l'a pas encore fait sur le coût de la non-protection de la nature. Ça n'a pas été fait, donc on sait que ça coûte cher. Et puis, on sait aussi que ça pèse plus fortement sur les plus pauvres, par exemple la rénovation de logements, l'histoire des passoires thermiques, le changement de voiture, etc., etc. Donc il y a un aspect financier global et il y a un aspect financier spécifique aux plus pauvres. Donc ça, je crois que ça a été vu, et aussi le caractère sacré de l'enjeu climatique n'est pas encore là pour l'enjeu de la nature. Et puis enfin, je vais ajouter quelque chose, on n'a pas réussi le dialogue avec les agriculteurs. Nous avons essayé, donc Pascal Lamy est là, il sait, nous avons été parler par exemple à Christiane Lambert, c'était pas toujours facile, c'est plutôt un euphémisme. Christiane Lambert qui était à la tête de la FNSEA. Oui, exactement, donc c'est une dame très intéressante, qui a beaucoup d'énergie, qui ne mâche pas ses mots, mais quand même, je me souviens très bien qu'elle nous a dit, avec force, comme elle sait le faire, que l'objectif de neutralité carbone en 2050, elle le partage, mais qu'il faut laisser les agriculteurs dire comment le faire eux-mêmes. Alors moi, je veux bien croire à ça, je veux bien croire qu'il y ait des gens bien intentionnés, et je constate une chose, c'est qu'on n'a pas réussi le dialogue avec les agriculteurs. Au-delà de ça, je ne suis pas naïve parce que j'ai mené des batailles très difficiles du temps de Jacques Delors, justement, du temps où nous avions décidé de proposer une taxe CO2 énergie. Et je savais exactement quels étaient les lobbies derrière la porte. Et là, derrière la porte de cette lutte contre la disparition des pesticides, je soupçonne la présence des industriels qui en produisent. Donc, si vous voulez, je pense que vous avez aussi, il faut quand même aussi regarder les choses sans aucune naïveté, vous avez des gens qui trouvent leur intérêt à détruire les sols et qui trouvent leur intérêt à détruire la planète. Parfois, je me demande s'ils sont extraterrestres,
Ce sont des êtres humains, s'ils habitent la même planète que moi. Mais bon, il y a des gens qui gagnent leur vie comme ça et qui y tiennent. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'éléments qu'il faut comprendre. Et alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Il y a eu une coïncidence extraordinaire en 2019 entre la volonté de la jeunesse de protéger sa planète, de lutter contre le changement climatique et les élections européennes. Et ça a porté cette majorité qui a donné le Green Deal. Maintenant, on nous dit, attention, attention, je crois à juste titre, attention, la protection de la nature est un enjeu de la même importance, il faut une mobilisation similaire. Je vous signale qu'il y a un appel d'offres européen pour encourager la citoyenneté européenne par un engagement citoyen, entre autres pour l'environnement et le climat. Donc je sais qu'il y a parmi vous beaucoup de jeunes gens engagés qui ont déjà créé des associations. J'en vois un qui a créé une association culturelle pour l'Europe. Sachez que cet appel d'offres existe. Il faut qu'il y ait au moins 3 organisations de 3 pays différents. Et vous pouvez mobiliser tout autour de vous pour la défense de la nature, tout comme en 2019, il y a eu cette mobilisation pour le climat. Donc, lutter contre les lobbies, faire en sorte... Je pose les choses à voir si on reprend le film, mais je pense que Léa Falco sera d'accord avec moi. Peut-être mettre en place, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, rien du tout. Non. Pardon. Mettre en place un principe peut-être de pollueur-payeur, ça fait voilà, cette... Cette proposition, quand même, est sur la table depuis très longtemps, mais... Ça existe, hein. Ah bah, ça existe. Oui, oui. Ça ne marche pas, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire... Donc, voilà. Donc, on a beau mettre des textes en place, on ne les met pas en œuvre, donc ça pose quand même question. Mais sur l'enjeu, quand même, c'est l'acceptabilité sociale aussi de cette transition. Finalement, l'été dernier a été, pour beaucoup d'Européens, une forme de wake-up call, quoi. Enfin... les canicules, les feux en Allemagne, en Belgique, les inondations meurtrières, ça nous a conduit aussi à nous dire collectivement que voilà, on y était, ça faisait 20 ans, 30 ans qu'on nous disait, sans remonter jusqu'au rapport Meadows, parce que sinon, enfin... Mais cette prise de conscience a eu le mérite en fait, de poser le débat et un enjeu qui s'avère être collectif. Quoi qu'il en soit, la question de cette transition juste, elle est effectivement posée. À un moment, on parle des jets privés, on parle des ZFE, et je me tourne vers vous, Antoine Cazel. Comment on va faire pour faire en sorte de travailler cette acceptabilité sociale si à la fin, c'est toujours, j'ouvre les guillemets, les mêmes qui payent ? C'est toute la question. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Et désolé que le commissaire Nicolas Schmitt, que je représente ici, n'ait pas pu venir, mais voilà, il remet évidemment ses amitiés aux organisateurs. La transition qu'on est en train de vivre est en fait plus une transformation sociale. C'est en fait tous nos modes de production, de consommation, d'exportation, de transport qui sont en train d'être entièrement revus. Cette transformation climatique nécessaire, et on est en train de mettre en place effectivement tous les instruments et... Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la pause, parce que je pense qu'effectivement, on n'a pas de pause à faire. Il faut adapter, il faut aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Cette transformation n'arrivera pas si elle n'est pas aussi sociale. Le commissaire Schmitt, la Commission européenne, évidemment, tous les acteurs, et notamment les partenaires sociaux qui suivent cette transition, les ONG, la société civile, essayent d'apporter le maximum de solutions pour que cette transition puisse se faire de la façon la plus sociale possible. Il y a une Bible qu'on essaye de respecter, nous en tout cas à la Commission, qui est le socle européen des droits sociaux. Un instrument non contraignant, mais qui, s'il était effectivement mis en œuvre entièrement, arrangerait beaucoup de choses. Il contient des principes, des standards sociaux, 20 principes, je vous invite à les lire, hein, ils sont évidemment accessibles sur Internet. Et nous nous efforçons depuis le début de ce mandat de mettre en œuvre ce socle. Le mandat précédent, le président Juncker et sa commission avaient déjà commencé à le faire, puisque le socle est né sous sa commission, par des mesures au niveau européen lorsqu'on peut le faire. On est dans le domaine emploi social, donc c'est des compétences qui sont évidemment partagées ou essentiellement nationales. Donc là où on peut le faire, on le fait au niveau européen. On a mis en place une directive sur les salaires minimums. On est en train de légiférer maintenant sur
les travailleurs des plateformes. Donc on essaie d'apporter des standards sociaux importants, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que la prochaine Commission européenne va devoir très clairement adapter le narratif et adapter la transition verte, la compléter par un agenda social beaucoup plus fort. Sinon, l'acceptabilité, effectivement, comme vous l'avez dit, ne va pas se faire de cette transition. Et on voit qu'il y a des contestations, et ça mène malheureusement à la montée des extrêmes politiques au pouvoir, et ça c'est effectivement quelque chose qu'on ne veut pas. Il y a la dimension du narratif, ce que vous nous dites, changer de narratif, ça veut dire de fait rendre désirable et cette nécessité de transition et ne pas être aussi dans cette logique qu'on peut parfois aussi subir, qui est la peur de la catastrophe, qui crée aussi de l'éco-anxiété, chez certains une incapacité à se projeter, et notamment chez les jeunes générations au-delà de 2030. Donc changer le narratif, ok, mais c'est aussi des actions concrètes sur à la fois la dimension comment lutter contre les lobbies. Comment est-ce qu'on fait ? On a aussi des États qui sont derrière, suivez mon regard, leur industrie automobile, entre autres, ou leur industrie chimique qui pollue les sols, on en parlait à l'instant avec Geneviève Ponce. Et derrière, comment on s'adresse directement aux premiers concernés, ceux qui se sentent exclus en fait, de cette transition, de ces transformations ? Si en France, on a eu la crise des Gilets jaunes, le mouvement, autant vous dire que sur les ZFE, on n'aura rien vu avec les Gilets jaunes. Alors, cette transition génère énormément d'investissements, comme vous le savez. Et donc, il y a énormément d'argent public, privé, bien sûr, qui complète cet argent public, qui est en train d'être déployé pour pouvoir financer les investissements nécessaires et pouvoir soutenir un certain nombre d'industries, d'entreprises à se transformer. Cet argent public doit aussi, évidemment, être utile, complété par l'argent national, l'argent européen et l'argent national, pour aider, évidemment, les ménages, les plus précarisés de notre société, à pouvoir s'adapter et à pouvoir les soutenir. Il n'est pas déraisonnable de penser qu'une partie de cet argent public, si pas l'ensemble de cet argent public, puisse aussi être conditionné à un certain nombre de mises en place de standards. Lorsqu'on crée des emplois de qualité, il faut des emplois de qualité, ça veut dire de créer des emplois qui respectent un certain nombre de standards sociaux, de conditions de travail. Et on est dans une société qui, effectivement, appelle à ce qu'il y ait des nouveaux métiers qui vont devoir être, donc, des nouveaux métiers qui vont devoir être formés, qualifiés, une main-d'œuvre qui doit se requalifier. Monsieur Timmermans en a parlé dans le précédent panel. Ça aussi, l'argent public peut aider à pouvoir faire en sorte que cette requalification puisse se faire en complétant, bien sûr, ce que les entreprises... Et les fonds européens sont d'ores et déjà fléchés, les fonds régionaux, sur cette dimension. Justement, c'est l'année européenne des compétences qui vient de débuter. Exactement. Mais permettez-moi d'attirer l'attention sur un texte qui a été adopté en juin 2022 par le Conseil, donc les États membres de l'Union européenne, sur base d'une proposition que la Commission avait formulée en 2021, qui est une recommandation, donc c'est une recommandation, ce n'est pas un texte contraignant, mais dans le domaine emploi social, les recommandations peuvent avoir leur effet, et c'est une recommandation qui présente une sorte de matrice, qui présente en fait une approche plus stratégique pour mettre en adéquation les instruments, les financements, les réglementations, les acteurs, les différents niveaux de gouvernance, pour arriver à effectivement faire cette transition plus équitable de la transition verte. Et cette recommandation se base sur des politiques actives de l'emploi, recommande de revoir la fiscalité, par exemple, de faire en sorte que les services essentiels, généraux, comme l'eau, comme l'accès à l'énergie, le logement, et même du point de vue des services financiers, puissent être faits d'une manière qui puisse compenser les effets négatifs de la transition. Et ça, dans le dialogue social, et c'est très important aussi, je pense, et j'en termine par là, qu'il y ait absolument plus de démocratie citoyenne. Il y a eu des tentatives en France, qui sont qui ont été d'ailleurs très, très soutenues. J'ai oublié son nom, mais la transition... Convention citoyenne sur le climat. Je pense que ce type d'instrument démocratique qui permet aussi aux gens de s'exprimer, de pouvoir les... On sait ce que les propositions ont donné. Oui, si oui. C'est un mais peu... je vous dis ça parce que j'ai lu une étude d'une professeure dont le nom m'échappe, qui est française, qui travaille aux États-Unis, qui a expliqué que même si les propositions n'ont pas nécessairement été suivies des faits, la méthode est plutôt la meilleure méthode possible que de rester sans ce type de procédé démocratique. C'est ça que je voulais dire. Donc l'inclusion, en fait, l'implication des partenaires sociaux et évidemment les financements, comme je l'ai dit. Ouais. On va passer la parole à la salle et à ceux qui nous regardent en Zoom. Voilà, n'hésitez pas, j'ai mon téléphone et ce n'est pas pour textoter, mais bien pour recevoir vos questions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je me ferai le porte-voix de ces questions. On va
passer la parole à la salle, mais Léa, j'aimerais bien vous entendre sur tout ce qu'on vient de se dire. Sur tout ce qu'on vient de se dire, vous êtes sûr? Tout, enfin, ce que vous voulez tirer comme fil. Vous êtes tous conseillés ici jusqu'à 19h30, notez-le bien. Non, alors la question des emplois. Je trouve que c'est vraiment intéressant, la question des emplois. En fait, ça amène la question de tout ce qu'il faut faire pour que la transformation écologique soit réussie. Et ça joue évidemment pas qu'au niveau de l'Union européenne, mais ça s'y joue partiellement. Ça joue au niveau local, au niveau national et à toutes les échelles de gouvernance que vous pouvez deviner. La question des emplois, c'est en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a des emplois en Europe qui vont être répartis de manière différente selon les secteurs et selon les régions, qui vont disparaître. Parce qu'il y a des secteurs qui vont devoir décroître parce qu'on n'a pas d'alternative viable technologiquement ou parce qu'on sait que nécessairement il va falloir les faire décroître. Donc ce qui veut dire, c'est que derrière ces emplois qui disparaissent, il y a des gens, et à côté de ces emplois qui disparaissent, il y a des emplois qui apparaissent. Et donc il faut pouvoir organiser la transition de ce marché du travail vers le marché du travail qu'on connaît aujourd'hui en 2023, vers celui qu'on devrait déjà connaître en 2023, mais qui va être de plus en plus nécessaire. On a déjà beaucoup de compétences et de métiers qui ne sont, sont pas pourvus aujourd'hui, dont on a besoin, dans les domaines directement reliés à la transformation écologique, hein, les énergies bas carbone, le bâtiment, mais dans tout ce qui va être annexe. On va avoir besoin de gens dans l'aide à la personne, dans le soin, dans tout un tas de domaines publics. On va avoir besoin de ces compétences-là. Donc d'une part, il faut organiser. D'autre part, il faut protéger. Je continue sur l'exemple de l'emploi, hein, mais protéger, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de la transformation écologique? Ça veut dire protéger contre la menace. Aujourd'hui, la transformation écologique, et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez des réactions un peu épidermiques de la part de travailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, protéger face à la menace de la perte d'emploi, ça veut dire pouvoir réimplanter dans les mêmes bassins d'emploi des compétences, des usines. Le projet de réindustrialisation verte, ça va passer par ça aussi. On va revoir le monde apparaître devant nos yeux, en fait. C'est pour ça que les éoliennes ou les panneaux solaires, ça suscite des réactions un petit peu épidermiques. Le monde réapparaît devant nos yeux. Et il faut pouvoir nous protéger face à ça. Et enfin, il va falloir redistribuer. Organiser, protéger, redistribuer, parce que c'est à ça que ça tient, l'acceptabilité sociale, et même avant ça, parce qu'on a tendance aujourd'hui à parler d'acceptabilité sociale, et en fait on vous présente un plan et on vous dit ça va se passer, c'est pas vraiment de l'acceptabilité, on vous le donne, quoi, on vous le montre. Il faut qu'il y ait de l'acceptation qui passe à la fois vers le bas, vers des consultations au niveau local, vers de la discussion entre les acteurs, de l'organisation qui se fait dans des territoires où les gens vivent, et de la planification qui vient nécessairement du dessus, mais qui s'adapte aux contraintes de terrain qui sont nécessairement différentes à chaque endroit. De vous couper, Léa Falco, qu'en fait, il faut même carrément revoir le paradigme de la gestion des collectivités, de l'État, et on oublie la DATAR, ce système très vertical où voilà, on a reconstruit dans les années 50-60 en partant de Paris, voilà, mais que vraiment, il faut que ce soit une invention très horizontale de la part des collectivités, aidée par les régions et par les fonds européens, avec les acteurs locaux. C'est-à-dire que beaucoup disent qu'il faut un changement de paradigme complet de l'action publique. Alors, complet, je ne pense pas, parce que moi, je serais assez partante qu'on ait un commissariat au plan version 2023. Le SGPE, c'est très bien, ils font un travail admirable, mais en fait, ils sont pas assez face à la complexité des enjeux qu'ils ont à traiter. Donc, je pense que ça passe par les deux côtés. Il faut qu'il y ait de la planification en haut, et ça passe par du financement aussi, parce que il y a cette vraie question-là. Il y a les capitaux publics, et il y aura aussi les capitaux privés à mobiliser, pas que des particuliers, mais les capitaux économiques privés qu'il va falloir utiliser dans cette transformation qui va être massive. Et il faut nécessairement, effectivement, que ça vienne aussi d'en bas. Donc, on ne peut pas se passer d'une échelle ou de l'autre. C'est réussir à faire ça de manière harmonieuse. C'est un peu un marronnier de la sociologie de l'action publique, effectivement. Mais comment est-ce qu'on arrive à adapter tous ces territoires dans le même temps, en protégeant, en organisant, en redistribuant? C'est ça la grande question. Et du coup, ça implique, au niveau de l'Union européenne, mais d'un peu partout, d'abandonner un certain nombre de totems qu'on érige. Alors, ça passe par le libéralisme, ça passe par le protectionnisme. Toutes ces choses-là, il va falloir les repenser sans les garder par principe. Et donc le NZIA en fait fait ça. Dans le texte original du NZIA, vous avez des passages intéressants sur le libre-échange et le protectionnisme. Donc il y a toutes ces questions-là qui doivent être mises absolument sur la table et desquelles on va devoir discuter à la fois collectivement, démocratiquement, mais il y a des décisions aussi qui vont se prendre vu l'urgence de la situation et la manière dont nos institutions se sont gérées aujourd'hui, qui vont devoir se prendre en haut. Mmh. Pascal Canfin, répondez, et je voudrais voir des mains qui se lèvent dans la salle. J'ai commencé par, et je pense qu'on l'a tous fait, introduire des éléments de complexité du débat.
Parce que si on n'introduit pas la complexité, on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que personne n'appuie sur le bouton. Bon, et ce n'est pas comme ça que ça marche, on le sait très bien. Donc c'était important de le faire. Maintenant, c'est aussi important de rappeler tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, en ce qui me concerne depuis 4 ans au Parlement européen, pour aller dans le sens d'une transformation en profondeur. Changer les règles du jeu du marché mondial et du commerce mondial. On a mis en place, on est les premiers au monde à avoir mis en place la taxe carbone aux frontières. C'est fait. On est les premiers au monde à avoir passé une loi sur la déforestation importée. C'est-à-dire de dire tout ce qui est soja, cacao, huile de palme, caoutchouc et bœuf, et voilà, je crois que je fais le tour, n'entrera plus dans le marché européen pour vous garantir à vous, citoyens européens, et à nous, que vous ne contribuez plus, même sans le savoir, à être complice de la déforestation de l'Amazonie, des forêts africaines et des forêts d'Asie du Sud-Est. On est les premiers au monde à le faire. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Brésiliens, les Indonésiens, les Malais, ça ne leur fait pas plaisir. Et on est au front. On est les premiers au monde à avoir réformé notre règle du jeu sur le prix du carbone, les pollueurs-payeurs. On a un prix du carbone à 100 euros la tonne de CO2 sur toute l'industrie européenne. En Chine, c'est 3, aux États-Unis, c'est 0. Donc, et je pourrais vous multiplier comme ça les exemples. Ce qui fait que, et on a doublé les énergies renouvelables, les objectifs d'énergie renouvelable pour 2030, et on est en train de changer les règles du jeu sur les permis pour que ça aille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Plus les voitures, plus les batteries. Par exemple, sur les batteries, et la Commission européenne l'a fait, alors que c'est quand même le dogme, normalement, en tout cas vu de France, du dogme du libre-échange et de la concurrence, blablabla. Le texte initial de la Commission, validé par tout le monde et qui est devenu une loi européenne, c'est qu'une batterie, on calcule son empreinte carbone. Une batterie de vélo comme une batterie de voiture. Et une batterie qui a une mauvaise empreinte carbone parce qu'elle est faite avec du charbon ou parce qu'elle vient du bout du monde ou parce qu'elle a un mécanisme industriel très peu performant, progressivement, elle ne rentre plus parce qu'on leur met des étiquettes comme sur les bâtiments A, B, C, D, E, F, G, comme sur les frigos, etc. Et ça finit par sortir. Ce qui est, on n'est pas complètement entre nous, enfin on peut se le dire, ce qui est quand même pas très 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 loin d'une forme de protectionnisme. Eh bien on le fait, on le fait. Et ça a totalement changé. C'est-à-dire que le logiciel de l'Europe marché ouverte, etc., je pense vraiment qu'il a existé. On peut discuter de la profondeur de ce qu'il a existé totalement ou c'était plus nuancé, mais ça, c'est un débat du passé. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on est en train de construire l'Europe puissance, et notamment l'Europe puissance écologique. Et c'est ça le logiciel qu'on déploie, et c'est ça le message d'espoir que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Oui, Geneviève, je me suis doutée que vous alliez vouloir aller-y rapidement. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup contribué, je dois dire, à Europe Jacques Delors, à l'invention du CBAM, même si ensuite les batailles ont été menées ailleurs, et notamment au Parlement européen. Je vais quand même vous dire que ça peut poser des problèmes pour nos partenaires, parce que c'est bien la notion d'Europe puissance, mais elle a ses limites, et en particulier vis-à-vis des plus pauvres. Et je vais prendre un exemple très simple pour vous faire comprendre, qui est l'exemple du Mozambique. Le Mozambique est un pays pauvre. Il produit pour l'instant de l'aluminium avec du charbon importé d'Afrique du Sud, mais il est riche, le Mozambique, en ressources hydrauliques. Et donc, il peut produire de l'électricité et il est possible de l'acheminer pour alimenter son usine d'aluminium. Si on veut éviter que le Mozambique, qui vit notamment grâce aux ressources d'exportation de son aluminium vers l'Europe, soit fortement pénalisé par le CBAM dans quelques années, il faut lui permettre d'investir pour transformer sa production, qu'elle devienne une production propre. Et ça, c'est le genre de mécanisme qu'il faut mettre en place pour s'assurer que les autres vont suivre. Parce que certains peuvent suivre sans difficulté, mais d'autres ne peuvent pas suivre. Et donc, il faut les aider. Et ça, je vous le signale, c'est une des propositions que nous faisons dans un papier qui sort très précisément aujourd'hui sur le triangle environnement, développement, commerce international. Car la relation simple environnement-commerce international n'est en réalité pas si simple. Il ne faut pas oublier les autres, et en particulier les plus pauvres. Les plus pauvres, ce qui pose aussi, mais ce sera l'objet d'un autre débat, voilà, la question du financement de cette transition
en dehors de l'espace européen, et on voit que du côté de ce qu'on qualifie souvent de sud global, voilà, il y a une forme d'organisation avec des banques qui se mettent en place, un système presque parallèle. Là aussi, il y a une forme de concurrence qui est en train de s'opérer, mais on va passer la parole à la salle parce que vous devez partir à 16h05, m'avez-vous glissé ? Et il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Alors, il y a madame qui avait commencé, ouais, juste ici. On va prendre pas mal de questions. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Claire Tutenuil, entreprise pour l'environnement. Je sais que vous préférez les questions des jeunes, mais je suis une grand-mère, c'est presque pareil. On n'est pas agistes, nous. Allez-y. Ah, c'est gentil. J'avais une question pour Léa. Les marches pour le climat des jeunes ont fait énormément. À quand la prochaine marche pour la nature ? Et j'ai compris que ça devrait être avant le 15 juin ou avant je ne sais pas quoi. Mais il y a manifestement un besoin de jeunes dans la rue sur ce sujet de la nature. Donc voilà, on attend, on peut aider. Mais voilà. Deuxième question, dans le dialogue avec les agriculteurs sur cette question de la nature, est-ce qu'il leur a été bien représenté qu'en fait la transition écologique, climat et biodiversité était une espèce de miracle pour eux ? Puisque quand on remplace les fossiles par de la biomasse, ça fait une demande adressée au monde agricole et forestier considérablement supérieure et quelque part qu'il va falloir limiter un peu pour garder de la biodiversité. Mais ceci est un modèle économique qui peut être extrêmement intéressant pour eux. Je ne sais pas, je suis pas sûre qu'ils aient perçu ça comme ça. Il y a peut-être dans la salle qui peuvent s'exprimer. Mais en tout cas, normalement, on doit pouvoir trouver dans un système où on monte la demande sans pouvoir monter énormément l'offre, on doit pouvoir trouver des modèles économiques qui fonctionnent, et même en protégeant la biodiversité. Merci à vous. Alors, il y a des questions juste derrière et à côté. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Maël Leroux, membre de l'Académie, étudiant de l'Académie. J'avais une question sur vos derniers échanges concernant la dimension du commerce international, du développement et de l'écologie. Parce que le chancelier Olaf Scholz a mis sa position, notamment sur l'accord avec le Mercosur, en disant que valait mieux un accord peut-être moyen que pas d'accord du tout, parce que sinon ces accords vont être conclus par d'autres partenaires, notamment peut-être la Chine, avec des conditions sociales et environnementales qui seront bien moins élevées que les accords avec l'Union européenne. Je voulais savoir votre position là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux un accord peut-être parfois moyen avec des clauses qui ne sont pas satisfaisantes à 100%, mais avoir un accord tout de même qui puisse permettre de trouver cet équilibre entre des clauses environnementales et un développement social et ces rapports de proximité aussi, même dans le récit, dans le narratif aujourd'hui dont on a besoin avec des partenaires extérieurs, ou est-ce qu'il fallait justement avoir une forme de radicalité dans les partenariats extérieurs de l'Union européenne pour mettre à l'avant de l'agenda avant tout ces questions-là ? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui. Oui, bonjour, Théo Bourgeois-Rigons, pour journaliste chez Euractive. Une question, je voulais vous faire rebondir sur le rapport Pisani-Mahfouz. Le rapport préconise une nouvelle articulation entre les politiques européennes et les politiques nationales et, je cite, explique que l'UE ne peut pas être la championne du climat, championne du multilatéralisme et championne de la vertu budgétaire. Comment doit-on repenser les prérogatives UE-Commission États membres dans le financement de la transition écologique et, le cas échéant, comment fait-on ça ? Quel degré, quel ajustement doit-on faire à ce niveau-là ? Merci. J'espère que vous avez 3 heures pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Il y avait d'autres mains levées ? Je ne vois rien, moi, d'ici. Il y en a une au fond. Tout à fait. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Mantsef Campos, je suis un étudiant en histoire et j'aimerais revenir sur cette notion d'inclusivité des populations, cette transformation climatique. J'ai participé l'année dernière à la conférence sur l'avenir de l'Europe et similaire à la Convention citoyenne sur le climat, avec des propositions citoyennes, des panels citoyens. Je vous invite à regarder les propositions qui sont tout aussi riches, mais il y a une proposition vraiment majeure qui est restée pour nous vraiment importante, c'était des assemblées citoyennes au cœur du processus de décision politique qui contrôle, qui regarde ce qui est fait en leur nom tout au cours du processus politique. Donc on peut l'imaginer au niveau local ou au niveau européen. Et donc que pensez-vous de ces participations citoyennes directement dans les processus de décision politique? Est-ce que je peux vous couper? Parce que nous, on a un retour qui est extrêmement mauvais depuis la scène. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste répéter la fin de votre question? D'accord, tout simplement, le processus de... Comment dire ça? Inclure la participation citoyenne dans le processus politique au niveau européen et local. Qu'en pensez-vous de manière générale? Voilà. Et on a eu cet exemple de la Convention citoyenne sur le climat qui a été très riche au niveau français et au niveau européen. Ça existe aussi. Voilà, et qu'en pensez-vous ? Merci, c'est bien noté. Eh bien, écoutez, Antoine, est-ce que vous souhaitez répondre ? Vous commencez peut-être, ça vous... Allez. Bon, il y a beaucoup de questions. Je vais commencer par la fin. Ouais. Je l'ai dit,
je pense que la transition juste doit passer par plus de démocratie participative, plus de participation directe de citoyens, à l'instar de ce qui a été fait en France, et donc pourquoi pas organiser ça aussi au niveau européen, bien entendu. Et il y a énormément de créativité et de possibilités, mais il faut évidemment aussi que cette parole qui est exprimée soit aussi, en effet, respectée, et que les gens qui s'expriment puissent aussi voir leurs actions, leurs paroles suivies des faits. Il y a eu les conventions sur le futur de l'Europe, qui sont un exercice un peu de ce style-là, évidemment très utile, mais il est aussi nécessaire d'aller plus loin que juste une convention sur le futur de l'Europe. Et c'est déjà un très bel exercice aussi. Sur le commerce extérieur, les standards sociaux, le point doit toujours être un point d'équilibre. Je crois que Mme Ponce l'a dit. Il y a des pays qui commercent avec nous, qui aussi dépendent aussi beaucoup de ça. Donc il faut se mettre aussi dans une situation où l'Union européenne, évidemment très développée, doit pouvoir tenir compte aussi du fait que tout le monde n'est pas au même niveau. Ceci, pour autant, on a aussi un certain nombre de textes qui ont été produits par la Commission, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur le travail décent, le travail forcé, ce type de standards sociaux extrêmement importants, de même que standards environnementaux. On ne peut pas omettre ça dans la discussion et dans les rapports de force. Dernier point, j'en termine, la gouvernance. On a eu une question sur la gouvernance, le financement, la façon dont l'Union européenne fonctionne par rapport aux États, vaste question, fatalement. Et je ne pense pas qu'on puisse continuer à travailler dans un système de gouvernance, on est entre nous, donc personne ne regarde, avec 27 États membres qui décident à l'unanimité le financement de l'Union européenne tous les 7 ans, après 3 ans de négociations. C'est sous-optimal, c'est pas suffisant. Donc il faut trouver des nouvelles façons, on a des nouvelles ressources propres, on a des nouveaux systèmes de financement, peut-être qu'il faut mettre à l'écart de l'application du pacte de stabilité et de croissance un certain nombre d'investissements qui produisent des effets, avec des effets et des impacts distributifs. Il y a ce type d'idées, il y a plein d'idées, j'en ai plein si vous voulez, mais c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Pascal Canfin. Oui, moi ce que je trouve très intéressant dans les questions, c'est qu'elles soulèvent toutes la complexité des enjeux, hein, que ce soit sur le Mercosur ou que ce soit sur le triangle d'incompatibilité de Jean Pisani-Ferry, ce sont les dilemmes politiques auxquels on est confronté. Et je pense qu'affronter de face vraiment sereinement pour les régler les dilemmes de la transition, c'est absolument majeur, absolument majeur. Et je suis ravi que vous en ayez soulevé deux, il y en a évidemment plein d'autres, mais c'est la seule façon d'y arriver. Donc sur les propos de Jean, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'à un moment donné, et c'est en ce moment que ça se passe, puisqu'il y a une réforme du pacte de stabilité qui a justement été proposée par la Commission, que la France juge insuffisante, parce que précisément, elle ne prend pas suffisamment en compte la nécessité de traiter différemment. Ensuite, on peut discuter à l'infini de qu'est-ce que ça veut dire traiter différemment, complètement sortir ou avoir un traitement comptable différent, etc. Les investissements pour la transition écologique. Et nous, on pense effectivement que, et c'est, je crois, aujourd'hui que S&P doit rendre sa note sur la France, on va mener cette bataille consistant à dire il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. Je ne reviens pas sur le sujet des retraites, pas le sujet du jour, mais il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. Et la dette verte, c'est de la bonne dette. Parce que ça crée des emplois, ça crée de la valeur, ça diminue notre dette écologique, ça fait de l'industrialisation verte, ça fait de la relocalisation, etc. etc. Et donc on ne doit pas être contraint. Et d'ailleurs, je note que vous avez forcément entendu parler de l'IRA américain, donc le grand plan Biden d'investissement dans les technologies vertes, 400 milliards de dollars. Personne ne se demande comment il est financé. C'est-à-dire, c'est normal, il n'est pas financé. C'est 400 milliards de dettes de plus. Ça tombe bien, ils ont trouvé un accord dans la nuit. Non, tout à fait. Oui, ça, c'est, je sais bien. Pareil, mais je veux dire, vous voyez, pourquoi ce qui est faisable aux États-Unis et qui ne pose de problème, je ne vais pas dire à personne, parce que ça a été des mois et des mois de négociations, mais in fine, le plan américain est un comment on dit, game changer en anglais, genre en français, change la donne complètement dans le monde, et personne ne se pose la question de savoir comment il est financier, et nous, on va dire, ah ben non, parce que tu comprends, si on est à 4,3, 3, machin, bah, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça et il faut se dire on a besoin d'investir, et là je prends les données de Jean Pisani-Ferry qui sont à peu près sur la table de tout le monde, y compris de la Commission, on a besoin en France d'investir 30 à 40 milliards de plus, lui il parle de 60 au total, on est à 20 donc ça fait 40 de plus, 40 de plus dans l'économie, public et privé. L'immense majorité c'est du privé, c'est soit les citoyens, soit les entreprises. Et il y a une part de public supplémentaire. Elle est à peu près de 10 milliards. Comment on va chercher ces 10 milliards
d'euros d'investissement de plus qui permettent de générer les 30 milliards d'investissements privés dans l'industrie, dans le logement, dans l'agriculture, etc. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et nous, on est favorable à ce que les règles du jeu du pacte de stabilité intègrent cette question-là pour traiter différemment cet investissement climat et nature nécessaire à la réduction de notre dette écologique. Parce que la dette financière, ça se rembourse, la dette écologique, ça ne se rembourse pas. Et il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de planète B, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, le combat, c'est maintenant. Et le 15 juin, je fais référence à la première question, le 15 juin, sachez-le, c'est le vote dans la commission environnement du Parlement européen du texte sur la nature auquel Frans Timmermans faisait référence. C'est le texte du Green Deal qui est en danger. Et c'est l'équivalent de la loi climat pour la nature. Il l'a très bien dit. Vous avez tous entendu parler de l'accord de Montréal sur la biodiversité, qui est l'équivalent, un peu détaillé, mais c'est l'équivalent de l'accord de Paris sur le climat. Cette loi climat, cette loi nature européenne, c'est la déclinaison de l'accord international de Montréal sur la nature. Eh bien, au moment où je vous parle, là, maintenant, j'ai une voix de majorité. Une voix de majorité dans la commission environnement. Environnement. Quand je vais arriver en plénière... Ça va être une autre paire de manches. Donc, ouais. J'ai vraiment besoin que vous nous aidiez, au-delà des clivages partisans, à gagner cette bataille. Comment on vous aide ? Eh ben, je pense que la question sur les marges des jeunes pour la nature est fondamentale. La question du business, Claire a été ainsi impliquée dans ce. Aujourd'hui, il y a une alliance suffisamment forte avec une partie du business pour le climat. Parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt. Ils ont compris que de toute façon, il fallait faire du ciment zéro carbone, de l'acier zéro carbone, des pneus sans déforestation, etc. etc., etc. C'est acquis. Et c'est pour ça qu'on est capable de passer des alliances avec eux, et je pourrais rentrer dans le détail, pour dire, OK, comment on fait ? Et certains, les plus conservateurs, cherchent à bloquer, mais ils perdent. Ils perdent. C'est ça le Green Deal. C'est la défaite de tous les conservateurs anti-climat depuis 4 ans. Et moi, je ne veux pas, 4 ans plus tard, que la roue tourne, et que ce soit nous qui perdions et qu'on perde sur la nature. Donc, on a vraiment besoin de vous. Merci. Merci, on va vous remercier, Pascal Canfin. Il est 16h06. Merci beaucoup. Geneviève Ponce. Alors, je vais continuer un petit peu sur ce que disait Pascal. Et répondre à la dame qui nous parlait d'agriculture, parce que c'est vrai qu'il faut démontrer, il n'y a pas juste les jeunes qui doivent marcher pour la nature, il y a aussi vraiment la démonstration que restaurer la nature, c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire c'est économiquement gagnant. Je crois que lorsque d'ailleurs cette loi sur la restauration de la nature, enfin cette proposition a été présentée par la Commission européenne, elle a mis sur la table ce que générait 1 euro investi dans la restauration de la nature, c'est, selon ses calculs, entre 8 et 38 euros. Donc il y a un démultiplicateur. Un sol riche, et pas seulement un sol qui absorbe du carbone, c'est un sol qui est fécond. Alors ce qu'il faut gérer dans l'agriculture, c'est la transition. Parce que lorsque vous avez pendant des années détruit le sol avec des pesticides, eh bien, il va falloir que ce sol ait un certain temps pour se régénérer. Et c'est ce passage qui est un passage de quelques années, 2-3 ans, c'est ce passage qu'il faut aider les agriculteurs à gérer. Voilà, donc ça c'était vraiment une des choses que je voulais dire. Et aussi, un jeune homme nous a un petit peu interrogé sur nos normes et l'opportunisme chinois, qui, lui, se glisse derrière sans trop se soucier de normes sociales ou environnementales. Moi, je ne crois pas qu'il faille céder sur les normes, sur l'ambition sociale ou environnementale. Je crois qu'il faut agir dans deux directions. La première direction, comme je disais tout à l'heure, c'est aider les pays à se mettre à la hauteur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lutter contre notre bureaucratie. Là, on a une anecdote extraordinaire qui nous a été racontée lorsque l'on préparait ce papier sur le triangle environnement, développement, commerce international. C'est une petite île qui voulait s'équiper de panneaux solaires. Elle voulait faire affaire avec l'Union européenne et elle a travaillé pendant 10 mois pour monter son dossier. Et puis, il manquait une pièce. Elle ne l'a pas eue. En 10 jours, les Chinois sont arrivés, ont dit « Vous voulez des panneaux solaires ? Pas de problème ».
Donc on a quand même, on a réellement dans l'Union européenne un problème de bureaucratie excessive. Moi, je me suis occupée de ça. J'étais le bras droit de M. Stoiber qui était venu pour combattre la bureaucratie européenne il y a quelques années de ça. Et il y a un problème de bureaucratie européenne et il faut quand même qu'on le regarde en face et qu'on essaye de simplifier les choses. Merci beaucoup, Léa Falco. Léa, vous aurez le mot de la fin. Oui, je peux répondre à la question de Claire, même si je pense qu'elle est un petit peu rhétorique. Alors, dans les mobilisations de jeunes en 2018-2019, il y avait aussi la question du momentum politique. Et donc, c'était un moment où on parlait, mine de rien, et on ne s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est englobé là-dedans, ou en tout cas c'est mon cas tous les jours, mais on parlait beaucoup moins d'environnement et d'enjeux écologiques en 2018-2019 qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles les mobilisations de jeunes ont bien fonctionné. Je ne suis pas fondamentalement persuadée qu'aujourd'hui, des mobilisations massives comme elles l'ont été en 2018 auraient le même effet parce qu'on est passé à un autre momentum politique. Et donc, peut-être que l'enjeu maintenant, et en tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est de former plutôt la coalition d'acteurs qui va faire en sorte que tous ces gens qui, normalement, devraient être pénalisés par la transformation écologique, en fait, la réclament. Et ça passe, par exemple, par les agriculteurs. Et ça passe, je pense, par le triangle dont moi je parle, qui est organisé, protégé, organisé, tout ça. Bon, il y a vraiment fondamentalement ce besoin maintenant, d'autant plus que le backlash dont parlait Pascal Canfin et avec lequel on est tous parfaitement d'accord, a déconstruit peu à peu le mouvement, ou en tout cas le narratif, qui était en fait un narratif plus médiatique que sociologique, hein, autour des jeunes pour le climat. C'était quand même pas tous les jeunes pour le climat. Et il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on aille chercher aussi ces jeunes qui ne s'intéressent pas aux enjeux climatiques, il faut qu'on aille chercher des agriculteurs, des industriels, des gens qui travaillent dans tout un tas de compétences dont on aura besoin, des gens qui travaillent dans les domaines de la géopolitique. Enfin, on a un axe à tracer, je pense, en termes tant à la fois de stratégie que de tactique pour réussir à avancer sur ces enjeux. Et à mon avis, on n'est plus du tout au stade où c'est la mobilisation des jeunes qui peut faire avancer. Ça a été un début, ça a enclenché, je pense, médiatiquement quelque chose, et maintenant, il faut réussir à retravailler tout ça, et par ailleurs, les entreprises ont toute leur place dans ce narratif. Et vous avez tout un tas, en ce moment, de coalitions d'entreprises qui se mettent en place, la Convention des entreprises pour le climat, le Grand Défi, qui retournent le stigmate, parce que une entreprise, aujourd'hui, étant donné que s'adapter plus ou moins aux limites planétaires pour une entreprise aujourd'hui, c'est s'ajouter une règle que les autres n'ont pas. Et donc, c'est se pénaliser dans ce jeu-là. Donc, retourner le stigmate, dire, moi, c'est plus difficile pour moi si je suis les règles, mais il faut absolument que tout le monde suive ces règles et que, de fait, on égalise le plateau de jeu, c'est, je pense, avec ce type de mobilisation qu'on va réussir à avancer maintenant. Et juste pour terminer, je suis tout à fait d'accord avec vous sur alors, ce qu'on pourrait appeler un soft power de l'Union européenne, mais qui, en fait, n'en est pas. D'une part, que l'Union européenne se fixe des objectifs et les atteigne, en termes tant de carbone que d'objectifs environnementaux. Et d'autre part, il y a l'aide qu'elle peut apporter et le soutien qu'elle peut apporter au reste du monde. Parce que là, les pays en développement, il faut pouvoir leur permettre une trajectoire de développement soutenable, effectivement, qui ne soit pas carbonée ou le moins carbonée possible, et qui leur permette d'atteindre des standards de vie, tout simplement décents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, ça rajoute une couche de complexité. Et donc, ça passe en Europe par la création d'un corps diplomatique qui soit formé à ces questions-là et qui puisse aider dans les pays dans lesquels ils sont affectés les gouvernements et toutes les échelles de gouvernance. Ça passe par des aides bilatérales, mais aussi union-pays de financement, par des coopérations en termes de transfert de technologies et de techniques et de méthodes de gouvernance. Il y a plein de choses à faire pour que cette espèce de scope 3 européen ou scope d'influence de l'Union européenne soit la prochaine étape justement dans cette démarche d'accompagnement de la transformation écologique qui, de toute façon, et on le sait très bien, c'est un des grands arguments qui est utilisé pour retarder cette transformation écologique, ne peut se faire qu'à l'échelle mondiale. Donc voilà. Plein de choses à dire, plein de choses à faire. Et je pense qu'on est content que vous soyez là et que vous vous intéressiez à ce sujet, parce qu'il faut qu'on réalise aussi que c'est encore un microcosme dans lequel on évolue, qui est à la fois européiste et intéressé par les enjeux de transformation écologique. Donc on a du boulot à faire, c'est bien. Voilà, mais je pense que tout le monde ici dans cette salle sera prêt à jouer le jeu, d'aller irriguer le reste. Merci en tout cas. Merci à tous les trois, à toutes les trois. Voilà, pour une fois, le féminin l'emporte. Léa Falco, Antoine Cazel, Geneviève Ponce, merci beaucoup. Merci à vous tous pour vos questions. On est un peu en retard. Je laisse tout de suite la place à Enrico Letta et Sofia Fernandez.